Eh bien bonjour mesdames et messieurs, si vous nous faites si vous avez la bonne idée hein, de suivre avec nous le dernier match du tournoi dans la compétition de volleyball. Alors on connaît le vainqueur chez les filles, hein, ça s'est déroulé hier soir, c'est la Nouvelle-Calédonie qui s'est imposée 3-7 à 2 au terme d'un cinquième set où les Calédoniennes ont retrouvé beaucoup d'énergie pour s'imposer largement dans cet ultime set face aux Tahitiennes. Et les Calédoniennes qui se sont emparées de l'or. Il y a quelques minutes, les Calédoniens se sont emparés de la médaille de bronze. Toujours dans cette salle du Neuss Gymnasium. Et là, on arrive au dernier match du tournoi. Lors de la dernière journée de ces Jeux du Pacifique entre Wallis et Futuna et Tahiti, n'est-ce pas Mélodie ? C'est bien cela Christian, donc c'est The Final, donc l'affiche de 2007 et de 2011. Donc voilà, l'affiche de 2007, je disais, de 2011. Ouais, en 2007, c'était l'année du premier titre pour Wallis et Futuna. Ils ont gagné 3 à la suite ensuite. Donc là, c'est l'occasion de boucler la boucle. Ouais, ils vont tenter un truc incroyable, hein, c'est faire la quadrature du cercle, hein, regagner un titre à l'endroit où vous avez gagné le premier, et puis en rajouter un quatrième à leur palmarès. Et voilà, en face, il y aura une très belle équipe de Tahiti qui va certainement pas se laisser faire et manquer l'occasion d'accrocher un nouveau titre dans ce tournoi des Jeux du Pacifique. La composition de l'équipe tahitienne, donc Christian, nous avons des noms que nous retrouvons dans le volleyball national. Par exemple de Paofai Nohoari, qui est le capitaine de cette formation tahitienne. Ouais, Nohoari, Paofai, hein, c'était un... Il n'avait pas beaucoup joué il y a 4 ans, mais là, depuis, c'est devenu un joueur professionnel. Hein. Il jouait en Ligue B à Plessis-Robinson. Il va jouer à Cannes l'année prochaine. La présentation de l'équipe de Wallis et Futuna, ça commence avec le passeur Boris Takamoto. Il a en fois Oulu et un ancien de Plessis Robinson également, le numéro 7 pointu de l'équipe de Wallis et Futuna, Faipule Kolokilangi, qui cette année va jouer au Grand Nancy après une saison au Mont Volé-Lozère. Tali Timiloa, Central, Paino Moleana. Et cette attaque et le libéro d'un mètre 96 et à l'image les entraîneurs de la sélection de Wallis et Futuna, Paolo Massei, qui était là également en 2007, on le rappelle encore une fois, il est sur le terrain et là le défi, il va le relever en tant qu'entraîneur. Allez, c'est parti pour une demi-heure de stress intense, Christian. Ah ouais, les deux équipes qui vont batailler pour essayer de remporter cette médaille d'or. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura du volleyball de très très haut niveau. Une finale francophone. Ouais, on est ravis de les retrouver, hein, ces joueurs, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de les voir évoluer. Hein, certains qui évoluent en métropole, comme vous l'avez rappelé, Mélodie. Là, du côté de Wallis et Futuna, on a. C'est quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde évolue en métropole. Alors, il y a deux absents évidemment, hein, on vous l'a dit, hein, depuis le début du tournoi. Il y a
Toifa Takaniko, le passeur hein, lors des trois dernières victoires. Mais là, on a le petit frère Boris. Et c'est parti pour la première balle. Le premier ballon. Il a été pour Donovan. Et on a compté une faute de filet, je crois, du côté de Wallis et Futuna. Numéro 6. Voilà le premier point pour Tahiti. Et là c'est le passeur qui va servir pour Tahiti. On va chercher Faye Poulet. Il est pris au contre. Personne ne soutient derrière, personne ne fait. Allez. On a eu le temps de s'organiser, de mettre deux bloqueurs en face de Faye Poulet. Tout le monde s'est avancé en fait en laissant le fond du terrain. Allez, ça va être pour le poste 4. Et regardez, là, il a transpercé la muraille tahitienne. Et a surpris le libéro tahitien. Le libéro tahitien, le plus jeune de l'équipe la tahitienne. 14 ans, disait hier le capitaine de Tahiti. Ah ouais, c'est bien de mettre des jeunes, leur faire vivre des expériences de ce niveau. Super flottant de. Et on va chercher le bloc. Est-ce que ça rentre? C'est dommage. Magnifique bloc. Et ben voilà, quand vous tapez fort, hein, des fois ça descend encore plus vite. Mais là c'est allé dehors. Hein. Heureusement pour Tahiti. Et à l'attaque. Je pense que ça doit faire 3-1 pour Tahiti plutôt. Voilà, ça a été corrigé. Bayanou Maré. Avec le service Mathieu, freiné par la bande du filet. Et regardez le petit ballon juste derrière le contre. Très intelligent, déposé. Et juste avant, il vient de déposer. Il a mis une énorme attaque sur la diagonale. Et juste après, regardez le petit ballon. Juste derrière. Ouais, c'est bien joué. Allez au service Boris. Ramener Donovan. Ouais, précieux hein, Donovan encore. Sur des ballons compliqués à négocier. Le pointu de l'équipe tahitienne. Il a été très bon hein, lors de la demi-finale de Tahiti parce que bah, voilà, les Tahitiens étaient mal embarqués. Et lui, bah, il a tenu la baraque, hein, comme on dit. C'est lui qui a fait les points. Donc, au service. Au service, au filet. Ah, il a été très très précieux pour l'équipe de Tahiti. Attention, le retour. Et ça sera compté pour l'équipe de Tahiti. Ah ouais, punition immédiate là. Hein, le ballon qui franchit l'axe du filet. Et derrière, bah, on en profite pour bah, voilà, le petit écart de 3 points. Quoi ? Tout part 5-3. De la réception. Tout part de la réception. Allez, on a une bonne ligne de bloc là du côté de Tahiti. Avec Noari Paufai. Christophe Avitaï au service. Là, on va chercher Faye Poulet. Le pont. Non, c'est dehors. Qui a cherché les mains. Il a cherché les mains. Ouais, c'est jugé dehors largement. Voilà, ça fait 6-2 pour Wallis et Futuna. Alors, l'incompréhension des joueurs de Wallis et Futuna. Ouais, parce qu'il y a un juge de ligne qui, lui, a dit que le ballon avait été touché, ce qui n'a pas été confirmé par bah, voilà, l'arbitre de chaise, l'arbitre central. Allez, faut pas s'arrêter là, il faut reprendre le jeu tout de suite. Voilà, on a démarré à 100 à l'heure, là, du côté de Tahiti. Quelques erreurs là en réception notamment pour Wallis et Futuna. Voilà, il va falloir plus de concentration dans ce secteur de jeu là pour. Pour lutter, pour marquer contre les Tahitiens. Allez, service. Tahiti, allez, passe arrière, on cherche. Voilà, c'est touché, ça va être défendu. Et voilà, la faute de fil pour le capitaine. Et c'est point pour Wallis et Futuna.
On est présent au bloc hein, du côté tahitien. On arrive à lire les passes. Ah, là, il sentait que le... L'arbitre avait donné la faute aux tahitiens, mais non. Et regardez le petit écart là. Hein. 5-2 maintenant pour Tahiti. Voilà, gros service matché. Faye Poulet un peu loin qui enroule son ballon. Et Donovan. Qu'est-ce que... Et ben non, c'est dehors. Ça ira dehors. Le point pour Wallis et Futuna qui revient à 3 du coup. 7-3 pour Tahiti. Paino Molana du service matché. Au service, lui aussi, depuis le début de cette compétition, fait un très beau. Le ballon qui est extérieur. Allez, ça démarre pas fort du côté de Wallis et Futuna. Allez. Et ben voilà, on arrive au premier temps mort technique du premier set avec cet écart de 5 points pour l'instant en faveur des Tahitiens. Tahitiens qui mettent de la pression hein, sur la réception de Wallis et Futuna. Un écart de 5 points jusque-là, rien d'alarmant, mais il faudra vite se reprendre du côté des joueurs de Paolo Massey, qui d'ailleurs là à l'écran donne ses consignes. Il n'y a pas encore de la grosse ambiance pour l'instant dans la salle du Neuss Gymnasium. Pas comme l'ambiance qu'on a eue hier soir. Ah ouais, c'était la grosse ambiance, hein, si vous avez eu la bonne idée de rester avec nous pour suivre la finale entre les Tahitiennes et les Calédoniennes. Au coup de sifflet final, il y a eu un attroupement au centre du terrain du côté calédonien avec des larmes qui ont été versées même des deux côtés, hein, des larmes de joie évidemment et de pour les Calédoniennes et de tristesse pour les Tahitiennes. Et voilà l'ace pour Donovan. Je disais, la réception. Et Vitaly Tupaou qui a été surpris par la trajectoire du ballon. Allez, un peu en dedans là les Wallisiens et Futuniens pour l'instant. Allez, 9-3 pour Tahiti. Au service Donovan. En difficulté, Vitaly, regardez, Noari Paup. Ah non, le point qui est donné ballon à Wallis volé. Et Futuna. Ah oui, il a la taille hein, pour aller chercher les ballons de très haut et de l'autre côté du filet. Mais je crois qu'il fait une faute de filet. Un peu gourmand peut-être sur ce ballon. Noari. Ah, et pas dans le coup encore les Wallisiens là en ce début de rencontre. Allez, le banc du côté tahitien. Et voilà, on renverse, Faye Poulet, voilà. Ça va passer. Une boîte aux lettres. On a vu Noari Paufa qui est rapide, qui est allé fermer le compte pour faire un bloc à deux. Il a couru. Pour aider Vaianou Maré. Allez, c'est pour Faye Poulet qui doit relancer l'équipe. Service à petite fixation. Voilà, la fixation. Impeccable en réception pour l'instant les Tahitiens. On n'a pas encore sorti les gros services du côté de Wallis et Futuna. Et le capitaine au service. Allez, une flottante en archie. Et Glenn. Il va avoir un deuxième ballon, mais il est pris encore par le contre tahitien. Une balle un peu trop
collé au filet. Il est un peu sous le ballon et puis il est attendu surtout. Voilà le Tahitien pour l'instant qui propose un bloc à deux à chaque fois face aux attaquants de Wallis et Futuna. Service dans le fil. On récupère la réception côté Wallis et Futuna. Et Glenn. Et le capitaine là pour relancer la machine côté Wallisien et Futunien. Impeccable la réception. Ah, ça a été défendu. Ça va peut-être revenir. Ça n'a pas été sifflé. Voilà. Il y a eu un petit temps d'incertitude. Ça passera derrière la mire. Allez, on reprend au service. Wallis et Futuna. 12 à 7 pour Tahiti. Allez, petite discussion avec. Listen, come here. Once I make my decision, that's it. Don't go to the referee, okay? If I make my decision, that's it. It's you. Okay. Every time you push. Okay. Next time, you're warning. Une fois que j'ai pris ma décision. La prochaine fois, bien qu'il discute avec le corps arbitral. C'est la décision finale. Il ne faut pas retourner voir. Allez, l'expliquer, hein, l'arbitre. Voilà, la décision a été prise. Veuillez ne pas revenir dessus. Alors, avertissement sans frais pour l'instant. Ça sera un super. Allez, bonne réception, on va chercher. Poste 4, c'est défendu par Glenn, justement. C'est Glenn qui va avoir la 3 mètres. Et on va chercher encore le poste 4 pour Tahiti. Allez, c'est freiné au bloc. Là, il y aura un bon ballon de contre-attaque. Et il est pris, Glenn, sur la 3 mètres. Bonne lecture du jeu. Ils attendaient le pointu et ils étaient là au contre. Donc, contrée. Ouais, Boris Takaniku qui a choisi Glenn aux 3 mètres plutôt que Feipoulé sur le poste 4. Et l'écart hein, toujours de 6 points en faveur des Tahitiens. Allez, un démarrage plutôt difficile pour l'équipe de Wallis et Futuna. Cette finale, 16e jeu du Pacifique. Donc en jeu, un 4e titre pour les Rouges et Noirs. On voit les beaux maillots de Wallis et Futuna. Dans l'écran, les athlètes tahitiens. Alors, je ne vois plus l'ambianceur qui était là pour le match pour la médaille de bronze entre les Samoans et les Kagou. Alors, il a peut-être tout simplement changé de côté. Hein. Le coq Samoan. On va le retrouver. On vous tiendra au courant hein, dès qu'on le retrouve. Allez, la bonne réception. Et on va chercher Feipoulé qui est pris une nouvelle fois par le bloc tahitien. Deuxième bloc tahitien. Les tahitiens qui prennent Bayanou de plus Maré, en plus confiance. Qui, le numéro 6. Alors, on lit bien le jeu là côté tahitien. Rigoureux sur chaque balle. Allez, un service. Allez, Jacques Mao, le passeur, ce sera dans le filet. Allez, ça repart. 14 à 8 pour Tahiti. Ouais, gros écart, hein. 6 points là, il faut grappiller. Allez, on revient. Substitution. You need to be at the substitution first, zone first. The coach calling a sub and a sub still on the bench. Needs to be there early. Okay? Need to be there early. Yeah. Alors, ça, trop de temps pour faire le changement de joueur. Allez, au service Kanila pour Oulu. Bon, la réception, c'est impeccable. On va chercher le poste 4, 2. C'est bloqué cette fois-ci. Et voilà, ça ne reviendra pas. Ouais. Et c'est au tour de Vaianou Maré d'être bloqué par le contre de Wallis et Futuna.
Donc là, il y avait le libéro vers l'arrière, mais ça ne ramènera pas. Attention, c'est réception trop longue, et bien voilà. Et dans le ballon qui a passé l'axe du filet, et le passeur Jacques Mahou qui n'a pas pu le récupérer. Voilà, le dixième point pour Wallis et Futuna. Voilà, il faut grappiller, là, grappiller, remonter petit à petit. Petite phase de flottement côté thaïsien. Est-ce que les Wallisiens Futuniens vont en profiter? Et le but, bien sûr, c'est arriver le premier à 25. Hein. Et ben voilà, la réception qui cafouille un peu du côté de Tahiti. Et regardez Donovan qui s'en sort sur un ballon qui venait de très loin à l'arrière. Ah, précieux hein, depuis deux matchs, hein, Donovan. Le gros service match, ce sera dans le filet. Allez. 10 à 15, 11 à 15, pardon. On va mettre beaucoup d'énergie hein, dans chaque geste du côté tahitien. Allez, Boris Takaniko pour le service, ce sera un service matché. Très beau service matché. Mal négocié par ce numéro. C'est Payanou Maré. Pris par la vitesse du service de Boris Takaniko. Boris Takaniko qui a commencé le volleyball au pôle de Bordeaux. Au pôle espoir de Dinard, pardon. Et gros service matché encore pour les Wallisiens et Futuniens. Le bloc, ça va être remonté. Tiens, Sarah. Il y aura un ballon d'attaque là pour. Ça a été bien soutenu par Donovan. Et le bloqué bloc pour Wallis et Futuna. Qui grappille, qui remonte point après point. Donc, la satisfaction de ce genre de balle ramenée, mise en difficulté. Et puis. Oh là là. Bon, allez. Et regardez, un gros bloc là sur le poste 4. Ça part de Boris Takaniko. Et c'est dehors cette fois-ci. Et la bonne série quand même pour se relancer dans ce premier set. Et voilà, on arrive au deuxième temps mort technique. Et le petit avantage toujours pour l'équipe de Tahiti. 16-13. 16-13. À l'écran, nous avons tous les Benjamins de cette équipe. 19 ans, 20 ans. Ouais, la jeunesse hein, qui participe, qui acquiert de l'expérience hein, en jouant des finales aux côtés des plus anciens comme Glenn, évidemment. Alors Glenn, ballon au foulou. Boris. Alors les grands absents qui ont parlé au début de ce match, Christian. Alors une petite coupure avec le faisceau qui nous vient du Neuss Gymnasium. Alors, et voilà l'image qui revient. Alors, ça arrive hein, parfois hein, des problèmes de liaison, mais voilà, vous n'avez rien raté. Toujours 16-13 en faveur. Les Tahitiens. Allez, très bien servi. On ramène ça tranquille. Poste ça difficile. Pour, il ne peut pas attaquer Faye Poulet sur ce ballon. Il a préféré assurer. Donovan qui attaque au-dessus. Qui joue les mains. Est-ce que ça a été touché? Et le ballon qui est donné. Et le ballon ne sera pas au Wallisien. Non, ça n'a pas été touché. Allez, service Wallis et Futuna. Ouais, c'est l'arbitre hein, qui prend la décision finale, évidemment. Alors, c'est Moléana, je crois. Paino, service matché. Et le ballon qui ne franchit pas l'axe du filet. Ce numéro 4. Et voilà, Wallis et Futuna qui revient à un point.
Olivier Tautou. 27 attaque de Tahiti. Alors un joueur très physique, une détente, une très belle détente même. Allez, le service matché encore, mettre de la pression là sur la réception de Tahiti. On va trouver le centre, ouais, ça passe. Poste 1, signé le capitaine de cette formation tahitienne. Ah, c'est Nohari Paupai, c'est ce joueur à le numéro 7 là qui vient de faire le point. 23 ans, 2 mètres, rien que ça. Et qui signe l'année prochaine, tu disais Christian, la SCAN. On va retrouver Donovan hein, au service, le pointu de l'équipe. Alors, Donovan, c'est le doyen, je pense, de cette équipe, 27 ans. Alors un joueur complet, 1m93. Alors performant dans tous les domaines. Gros service encore. Et voilà. Allez, enfin, on retrouve Faye Poulet. Il avait été pris hein, lors des précédentes séquences de jeu. Et là, ça y est, il commence à retrouver la mire, à retrouver ses marques. La force tranquille de cette équipe de Wallis et Futuna. 26 ans. Ouais, Faye Poulet, hein. Kolo Kilagi, c'est une pièce maîtresse hein, normalement du jeu de Wallis et Futuna. Ouais, deux équipes hein, au coude à coude là pour attaquer la fin de set. Talite Ofati Niloa au service. Ah, c'est un peu long. Temps qui ira dehors. Allez, on assure le service. Ouais, très long même. Hein. Alors on met de l'énergie dans les services. Et voilà. Et des fois, ben voilà, ça sort des limites du terrain. Allez, super service. Ouais, gros service, encore bien enveloppé. Et regardez, et encore qui va faire le point sur le poste 2. Le point pour le pointu. On l'attaque, un déséquilibre arrière. Et regardez, il a trouvé la solution. Voilà, malgré une passe un peu trop en arrière, qui réussit à transformer en point. Oh nice. Et c'est à lui justement à Faye Poulet d'assurer le service à suivre. Les encouragements du public. Alors toute la délégation de Wallis et Futuna présente dans la salle pour encourager du gros service matché. Regardez le point pour Faye Poulet. Et donc il ne sera pas ramené par le libéro, ce jeune libéro de 14 ans. Ah ouais, ça va vite hein, les services de Faye Poulet. Et on va prendre un temps mort du côté de Tahiti. On avait un bel écart hein, en début de set en faveur des Tahitiens. Et là, ça y est, les Wallisiens, ils se sont repris, ils sont revenus dans la partie. Le libéro tahitien qui s'est fait mal à la cheville en 14 ans. Ce jeune qui fait une grosse compétition depuis ce début de semaine. Allez, les réceptions, on les ramène. Allez. 18 partout, Christian. Ah ouais, on va rentrer dans une phase d'incertitude là, dans cette fin de set. 18 partout. Et le premier à 25, bien sûr, remporte la manche. Changement du côté de Tahiti, c'est le numéro 4, Tautou Olivier qui sort. Donc Recep Attack qui sort. Allez, concentration avant. Service. Les passes passent à une main. Alors, on va avoir un bon ballon de relance peut-être pour Wallis et Futuna. On va chercher le poste 4. Et Glenn Dufoua, il fait. Il avait choisi la feinte et ça n'a pas été pris par le. Juste touché par le bloc tahitien. Allez, on se concentre, Diglen, on se concentre, on reste. C'était un bon choix de passe, on a écarté au maximum le contre tahitien. Et bah, je crois que c'est Wallis et Futuna qui prend les devants pour la première fois du set. Oh. Et le service de Faye Poulet qui reste dans le filet. Allez, 19 partout. 19 partout.
Alors un saut à Mako Futunian pour encourager les deux équipes. Allez, au service, ça va être pour Nohari. Paufai. Allez, flottant. Allez, bonne réception. On va chercher Glenn qui a trouvé la ligne et ça reviendra pas. Et ça fait le point. 20 à 19 pour Wallis et Futuna. Voilà, les Wallisiens et Futunien, les premiers à 20. Pour l'instant, reprennent la tête. Alors. Allez, Glenn, ça va être du service matché, évidemment. Et c'est touché par la bande du filet. Il va y avoir, on va chercher le pointu, 4, c'est bloqué. On va relancer. Et on cherche. Et on va chercher Faye Poulet qui est pris une nouvelle fois par le contre tahitien. Allez, on s'entend sur les soutiens. Et les Tahitiens qui reviennent à hauteur des Wallisiens et Futuniens, 20 partout. Là, c'est allé très vite. Et ben voilà, c'est le match serré hein, auquel on pouvait s'attendre qui se déroule. On a fait des changements hein, du côté de Tahiti. Et voilà, la bonne réception, on va chercher Faye Poulet encore. Ah. Et cette fois-ci, et alors que dit l'arbitre? Qu'est-ce que l'arbitre va décider? Qu'est-ce que l'arbitre va décider? Rien encore. Qu'est-ce que l'arbitre alors, va a priori, décider? Le point, il a été donné aux Wallisiens, ouais. Alors Donovan qui revient. Il reprend sa place. Au service Josias Spino. Jeune central. Allez, le service matché flottant. Et on cherche le centre aussi. Pour Tahiti, et voilà le point pour Tahiti. Parce qu'il y a eu le filet. Faute de fil peut-être du contre wallisien. Allez, 21 partout. Voilà, le service match s'est bien pris. Et petite fixation qui va dans le fond du terrain. Ah ouais, là, il n'y a pas de défenseur à cet endroit. Spécialité de Tali Tiniloa qui du coup ramène Wallis et Futuna. Ouais, 22-21 pour Wallis et Futuna. En tête pour l'instant dans cette fin de premier set. Allez, service à Boris. On va chercher le poste 4. Et ça sera. Et voilà, c'est dedans. Tahiti. Touché, non. Allez, 22 partout, décidément. Allez, ça va être du service matché encore pour Tahiti. Tinilo Tewida. Bon, désolé pour la prononciation. Allez, bon service, on va. Et ouais, le point pour Tahiti. Et Tahiti qui prend les devants 23-22 en cette fin de premier set. Alors là, sur ces derniers points, c'est les derniers points de ce set. C'est le mental là qui va devoir. Ouais, on a pris des risques au service là du côté de Tahiti, ça a payé. Au service toujours Tinilo Tewila. Et on se rapproche là de la fin de set. Les points vont devenir très 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 importants. Le service qui accroche la bande qui passe. Et attaqué. Dans la faille poulet qui fait le point. C'est freiné, mais pas suffisamment par le bloc tahitien. Et les deux équipes à égalité 23 partout.
Et bien là, quoi qu'il arrive, on aura le point suivant, donnera une balle de 7 à une des deux équipes. Risque au service. Paino, Moleana. Servi. La réception un peu loin. On va chercher Donovan peut-être. C'est pas défendu. Non. Et la première balle de 7, elle sera pour Tahiti. Et les Wallisiens et Futuniens vont avoir un ballon d'attaque. Première balle de 7. Justement, hein, c'est Tahiti. Donovan au service. Et le score, hein, 24-23, c'est très très serré. Alors qu'il pleut, hein, vous l'avez peut-être vu par l'ouverture. Allez, bonne réception, on va chercher Faye Poulet. Et elle est dehors. Derrière la ligne. Et le premier set, il sera pour Tahiti qui prend la tête dans cette finale. 25-23 pour ce premier set remporté par Tahiti en change de côté. Alors encore deux à gagner pour Tahiti s'ils veulent s'emparer de la médaille d'or. Et les Wallisiens, hein, qui vont devoir gagner 3 sets. La pluie qui tombe très fort ici sur Apia depuis quelques minutes. Alors ça avait rendu les conditions compliquées lors du début du tournoi en première semaine. Hein, le parquet était devenu très humide et les joueurs se sont plaints, hein, des conditions de jeu. Et je peux vous dire que là il fait très très chaud dans cette salle, dans ce gymnase de l'Université nationale de Samoa. Ouais, là on aperçoit, hein, les joueuses de l'équipe féminine de Tahiti, une des sœurs Labaste tout à droite. Une des sœurs Taura aussi. Ouais, les Tahitiennes battues par les Calédoniennes en finale. Au terme d'un magnifique match, hein, en 5-7. Je vous le rappelle, hein, le scénario, hein, un premier set facilement gagné par les Calédoniennes. Emmenées par les sœurs connues, les sœurs connues, très connues. Ouais, les Calédoniennes qui ont été héroïques en défense lors du premier set. Et au contre aussi. Et puis après, la machine Tahitienne s'est mise en route. Les Tahitiennes ont gagné les deux sets suivants. Et les Calédoniennes ont trouvé l'énergie pour revenir à deux manches partout. Et tout s'est joué au tie-break. Et là, dans le tie-break, les Calédoniennes se sont envolées littéralement. Elles se sont jetées sur tous les ballons. Elles ont tout remonté. Et là, les Tahitiennes n'ont rien pu faire, hein, contre la fougue et la vaillance des Calédoniennes. Se sont donc emparés de la médaille d'or. Et ça fait très longtemps d'ailleurs que la sélection calédonienne n'avait pas obtenu l'or à ces Jeux du Pacifique. Ah oui, c'est arrivé une seule fois seulement, c'était en 1975. Ouais, hier c'était seulement la troisième fois, hein, que Tahiti perdait une finale de volleyball chez les filles. Parce que sur 15 compétitions jouées, alors pourquoi 15 et pas 16? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas le volleyball féminin lors de la première apparition des Jeux du Pacifique. Voilà, le volleyball n'est arrivé que la... au deuxième jeu. Alors début de ce deuxième set
Wallis et Futuna, Tahiti. Alors si vous nous rejoignez, premier set obtenu par Tahiti, 25 à 23. Et on entend la pluie hein, qui frappe le toit du Neuss Gymnasium. Ah, il souhaite être Jacques Mao qui va s'élancer pour servir. Ce match est flottant. Et une incompréhension là entre le libéro. Allez, on se règle à la réception, un peu brouillon à la réception. Un petit problème de communication. À Vitali, Tupaou, Valou. Voilà, cette fois-ci, c'est impeccable. Et on va chercher le poste 2. Mais c'est pris par le bloc à 3 des Tahitiens. Ah, mais on compte une faute de filet, malheureusement. Et heureusement pour Wallis et Futuna. Puisqu'il n'y avait personne. Non, on s'était mis à 3 hein, pour bloquer l'attaque. Regardez. Défense trop rapprochée. Ouais, le filet qui bouge. Ouais, sous l'impulsion des bras tahitiens. Le service Paino. Ah, la bonne réception quand on va passer par le centre. Elle est là, regardez. Très belle fixation pour le capitaine. Phase de jeu là, hein, des tahitiens. Rapide. Ah, solide en réception pour l'instant du côté de Tahiti. Et voilà la fixation aussi du côté de Wallis et Futuna. Poussé par Tignilo Atali sur le poste 5. Allez, on organise la réception côté tahitien. Service Tali. Et voilà. Ah, la faute en réception là du jeune libéro tahitien. Il s'appelle Torii Tehaeura. Et ses coéquipiers hein, qui viennent l'encourager, le garder à flot dans cette rencontre et pour repartir à l'attaque. Alors on va chercher le poste 4, cette fois-ci c'est passé. Tautou Olivier pour cette attaque. Trois partout. Ah oui, il y avait de l'espace entre les deux contreurs wallisiens. On fait plus l'effort, il me semble, du côté du bloc tahitien pour essayer de former des blocs à deux. Qui met en difficulté la réception de Wallis et Futuna. Et le point qui est donné à Tahiti. Même qui a tenté de jouer les mains. Ouais, c'est passé au-dessus et ça finit en dehors des limites du terrain. Tahiti qui repasse devant 4 à 3. Allez au service. Tinilo. Tewida. Alors on va chercher Faye Poulet là sur le poste 2. Voilà, c'est passé. Personne ne soutient. Oui. Ah, il a. Il s'en veut un petit peu, hein. Il se disait qu'il aurait peut-être pu la remonter, cette balle. 4 partout du coup. Allez, c'est pour Faye Poulet là maintenant. Alors là, ce sera du service matché évidemment. Impeccable à la réception, on va distribuer sur le poste 2, c'est ralenti. Alors, il y aura un ballon d'attaque pour Wallis et Futuna. Ça passe. Le libre la passe. Donovan non, qui fait la faute. 5 à 4 pour Wallis. C'est une des premières fautes hein, de Donovan, le pointu tahitien. Il a cherché à enrouler, à toucher les mains du contre de Wallis et Futuna, mais le ballon n'a pas été touché et est sorti. Voilà, bonne réception encore pour Tahiti. On remet le ballon sur Donovan. Et bien, voilà.
Alors un contre un, c'est passé pour le pointu tahitien. Très belle passe arrière et le point derrière. Ah ouais, une jolie distribution là pour le passeur tahitien hein, qui a mis dans le vent complètement le central de Wallis et Futuna. On n'a pas pu proposer un bloc à deux face à Donovan. Attention. Non. Et voilà, le service tahitien qui fait des misères à la réception de Wallis et Futuna. Allez, 6 à 5 pour Tahiti. Encore le pointu, hein, tahitien hein, Donovan, hein, précieux, vraiment précieux pour Tahiti. Très belle réception. Et on va chercher Faye Poulet. Et Faye Poulet qui voilà, passe à travers le bloc. Touché. Allez, au service Glenn Dufois. 6 partout. Glenn Dufois également très performant au service. Ah, le petit ballon enroulé, c'est l'Ace. Le ballon qui tombe là juste devant le libéro tahitien. Très performant au service. Allez, 7 à 6. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer cette fois-ci, Glenn ? Service puissant. Service puissant. Et la réception, ça tient du côté de Tahiti. Et ça reviendra pas. Bidouille contrée qui ira au fond du terrain. Mais personne ne pourra amener cette balle. Ah, le point pour Wallis. On a été vigilant là au centre là, face à Nohari Paufai. Et le petit écart là, en faveur de Wallis et Futuna. 8-6. 8-6 au temps mort technique. C'est le capitaine qui prend la parole hein, lors de ce temps mort. La réception et la communication. Go. L'équipe qui encourage ce jeune libéro tahitien, 14 ans, je vous rappelle. 14 ans. Ouais, ça montre hein, la qualité de la formation hein, du côté de la Polynésie. Oui. Le petit ballon roulé. Et c'est Nohari qui est obligé de faire la passe et il y aura un bon ballon d'attaque. On va chercher le poste 4. Et voilà. Grosse attaque là sur la ligne. Paino Moleana. Et la bonne série là au service pour Glenn hein, qui permet à Wallis et Futuna de. Alors, pas de s'envoler encore, hein, mais de mettre un petit écart de 3 points. 9 à 6, Wallis et Futuna, toujours au service, le capitaine. Et... Ouais, ce sera trop long cette fois-ci. Et qui boitille un petit peu. D'ailleurs hier soir qui a annoncé que ça serait ses derniers jeux. Allez, la réception c'est impeccable là pour et c'est Faye Poulet qui vient attaquer d'ailleurs, c'est défendu, ça va revenir. Oh là là, Nohari. On espère qu'il s'est pas fait mal, il s'est jeté à travers le banc.
tahitien. Ah, il n'y a pas de bobo. Il ne faudrait pas avoir de bobo avant d'intégrer l'ASCAN. Des bobos, il y en a eu, hein, notamment eh ben chez les Calédoniennes, hein, une grosse entorse, c'était dans les phases de poule. Et non. Service trop lent. Le point pour la Polynésie française. Allez, on est reparti en Polynésie avec le choix du DJ du Neus Gymnasium. Et on retrouve justement Nohari Paofai qui essaie de sauver ce ballon désespéré. Attention. Et il y a Kira dehors. Ah ouais, le point pour Tahiti qui revient petit à petit. 19. Service matché flottant, très tendu et en difficulté Valou et qui et Marie Faye Poulet qui est pris par le bloc. Bloc tahitien. Wallace Futuna qui doit se reprendre, réorganiser la réception, la défense. 10 partout. J'imagine toute la population de Tahiti, toute la Polynésie française, toute la population de Wallis et Futuna en train de stresser, de suivre avec nous ce match. Dehors. Ah oui, on imagine, hein, il y a des amateurs de volleyball dans le Pacifique, évidemment. Et puis en plus, bah, voilà, on a la chance, hein, de voir des équipes avec des joueurs professionnels. Hein, Allez, au service, c'est Boris Takaniko, ça accroche le filet, mais ça passe. Passe arrière, le point de Donovan, sur la Marc, 3 mètres, et c'est ça passe. Il recolle au score, 11 partout. Service flottant. Attention. Vitaly qui est en difficulté là sur les réceptions. Faye Poulet qui trouve la solution face au bloc de Donovan et il trouve la ligne. 12 à 11. Ouais, les deux équipes, hein, au coude à coude, hein, dans ce milieu de deuxième set. Servi Paino Moleana. On va chercher Donovan le pointu qui trouve le petit espace entre le filet et les mains du contre. Pousse partout et au service. Vaianou Mare. Ah, ça restera dans le filet. Terminera dans le fil. Le service repasse côté Wallis et Futuna, 13 à 12. Allez, le match est flottant. On va pouvoir servir l'extérieur et ben voilà sur la ligne Terra et ça fait le point. 13 partout. Là c'est vraiment du deck to deck quoi. Allez le service matché.
Non, c'est flottant. C'est un peu entre les deux, celui-là. Et Glenn qui est pris, je crois, sur le poste 4. Très grand bloc. Tahitien. Ouais, les Tahitiens qui arrivent à proposer des blocs à deux, hein, presque systématiquement. Hein, c'est Nohari qui allait fermer la diagonale. Très rapide, hein, dans ses déplacements. Nohari, pas au faille pour aller aider les partenaires à bloquer. Ça sera out, ça. Touché. Ah, ça a été touché, je crois. Ça a été touché, oui. Le point pour Tahiti. Et le petit écart là de 2 points pour Tahiti. 15 à 13. On reprend le service. Tiniela Otewila. Un très bon flottant enroulé là, celle-là. Et Faipoulet qui prie de nouveau. Décidément, ce bloc tahitien, c'est un mur. Ah, performant là pour l'instant dans ce secteur du jeu, les Tahitiens. On arrive au deuxième temps mort technique. Avec un petit avantage de 3 points pour les Tahitiens. Et du côté des Wallisiens Futuniens, on n'a pas encore trouvé la solution. Ouais, pour l'instant, l'envie, elle est du côté de Tahiti. À 13 pour Tahiti. Il va falloir recoller. On a des problèmes en réception pour l'instant du côté de Wallis et Futuna. Alors, réception, communication. Ah, Vitali Tupaou qui est ciblé, hein, régulièrement, et il a commis quelques erreurs. Glenn aussi. Ah, il faut améliorer absolument, hein, ce secteur du jeu pour Wallis et Futuna. Amener des bons ballons là pour Boris Takaniko. Et filet. Voilà, le ballon qui reste dans le filet. 14 à 16. Allez, Faipoulet, ce serait le bon moment peut-être là pour sortir la série au service si Wallis et Futuna veut revenir. Une réception trop longue et... Oh, Glenn, on a une petite frayeur là pour... regarde, il en sourit, Glenn. Qui en profitera. Son attaque, ouais, qui heurte la bande du filet et ça a failli être remonté du côté des Tahitiens. 16-15. Wallis et Futuna qui revient. Ah, c'est pour Faipoulet là qui va encore mettre la pression sur la réception de Tahiti. Et voilà, impeccable la réception. On va chercher l'extérieur de Novan qui est pris cette fois-ci. Et alors les Glen ont un contre un. Et le grand sourire, ça évidemment, hein, de Glenn, hein, qui regarde Donovan. Bon, c'est de bonne guerre, hein, ils se connaissent bien, évidemment, hein, ce sont des copains. Allez, 16 partout. Voilà, ça tient la réception, on va chercher le poste 4, c'est défendu par Valou, ça va rester dans les limites du terrain. Et ce poste 4. Voilà, ralenti, il va y avoir un ballon d'attaque pour les Tahitiens, pour les Wallisiens, pardon, ça va tellement vite. Et ça revient. Et ah, la faute filet. De filet. Et le point pour Wallis et Futuna. Alors, on n'arrive plus à suivre. Hein. Ça va tellement vite des deux côtés. On défend, on attaque. Une bidouille. Et malheureusement, la petite faute
de filet côté tahitien. Et Wallis et Futuna qui est revenu. Il vient de passer devant les tahitiens et toujours Faye Poulet au service matché. 17 à 16 pour Wallis et Futuna. Et service. Mésentente, petit problème de communication entre le libéro et le réceptionnaire. Le ballon qui est touché. Hein. 18 à 16, temps mort demandé par Tahiti. Ouais. Ouais, là, on est dans une bonne séquence là pour Wallis et Futuna. Donc voilà, on va chercher à se calmer. À calmer l'entrain des Wallisiens. À couper le service de Faye Poulet. On attend. Et c'est pas fini encore hein, ce set, hein, faut aller jusqu'à 25. Et là, les consignes, on attend le dernier moment avant de sauter au contre. Ils sont très grands donc retardez le contre. Allez, Faye Poulet encore pour le service matché. Service ramené. Allez, on va chercher le poste 4. Cherche la et c'est jugé. Gagne. Et non, à l'extérieur du terrain. Et l'écart là qui grandit un petit peu pour Wallis et Futuna. 3 points d'avance maintenant. Il a failli avoir la petite diague encore. Quelques centimètres. Ouais, c'était tout près. Mais 19 à 16 pour Wallis et Futuna. Service. Allez, on l'a renversé cette fois-ci. Regardez Donovan qui vient attaquer le ballon. On l'a renversé, on allait chercher l'extérieur du côté tahitien. Il a fallu toute la vivacité hein, de Donovan pour aller attaquer ce ballon qui était très très rapide là sur son aile. Changement. Côté tahitien. Allez, maintenant il faut revenir là, deux points d'écart pour les tahitiens. Attention. Et ouais, la première main pour Boris Takaniko au milieu du terrain. Wallis il n'y a pas cru, Noah Paufail, regardez. On n'y a pas cru non plus, Christian. 20 à 17. Et ben voilà hein, comment on transforme un ballon un peu compliqué ben en point tout simplement. Ouais, et les Wallisiens et Futuniens les premiers. À atteindre le cap des 20 points. Ah, et la réception, c'est un peu loin du filet. C'est bloqué. Ça va revenir sûrement pour Tahiti. Ça. Moléama. On n'a pas pu attaquer du côté de Wallis et Futuna. On la ramène. Ça va revenir. C'est facile, attention, on aura une belle attaque. Et là, on va chercher. Et contré. Oh là, c'est bloqué en 1 contre 1 encore. Attention, la main. Et la faute de filet. Et quel échange encore hein, nous ont proposé ces deux équipes, Mélodie. On défend, on contre, on remonte tous les ballons. Enfin, on laisse de l'énergie. Hein, On se jette sur chaque balle. C'est ça, c'est le jeu qu'on a envie de voir, Christian. À ce niveau de la compétition finale quand même pour la médaille d'or de ces 16e Jeux du Pacifique. Allez, le service matché. Surpuissant et... On va avoir un ballon d'attaque quand même pour Tahiti, même si c'est loin du filet. Là, c'est Faye Poulet. Et c'est défendu, ça va revenir. Faye est ramené par le libéro tahitien. Et la fixation, attention. C'est contré, le contré, Faye Poulet cette fois-ci sur la 3 mètres. C'est touché, ça va revenir. Encore une attaque. Des défenses des deux côtés. Qui va avoir le dernier mot. Ça revient.
cherche le poste 4 et... Allez, on lève pour Faye Poulet qui fait... Alors là, bon, on n'arrive plus, on ne suit plus. Allez. Voilà. Oh, quel point. Alors, regardez Valou, heureux. Et les joueurs exténués, je crois, après un tel rallye. Et le ballon, je crois, qui a tapé le crâne de Nohari Paofai et qui est parti toucher le plafond de la salle ici au Neuss Gymnasium. Oh, les deux équipes qui ont dû laisser beaucoup d'énergie dans ces points. Si vous avez des problèmes cardiaques, ne restez pas devant votre écran. Éloignez-vous un peu. Parce que là, ça risque d'être dangereux. 21 à 18 pour Wallis et Futuna. Les joueurs qui ont besoin de reprendre leur souffle après une telle séquence de jeu. Allez, changement. Josias Paino avec Kani Lafoilou qui rentre sur le terrain. Vous avez vu hein, ce qu'il faut faire pour marquer un point dans cette rencontre. Ah, je suis essoufflé, j'ai pas joué mais je suis essoufflé la question. Allez. Allez, on va chercher l'extérieur. Et regardez la belle attaque longue ligne. Attaque pour Tahiti. Numéro 6. On a écarté le jeu sur les ailes. À 19 pour Wallis et Futuna, c'est Tahiti qui a le service. Quel match, Christian. Ouais, un match fou avec des points incroyables. C'est la bataille sur chaque point. Les joueurs hein, qui reviennent sur le terrain. Et on n'a toujours pas retrouvé l'ambianceur qui nous a accompagnés pendant tous les matchs hein, des phases finales. Il était là ce matin pour... Je crois qu'il se prépare pour la cérémonie de clôture. C'est possible, ce sera peut-être le clou du spectacle lors de la cérémonie. Oh là là, attention à la faute réception. En réception pour Wallis et Futuna. Allez, on n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. Et le 20e point pour Tahiti. Voilà, un point facilement gagné du coup hein, par rapport à l'échange précédent. Allez, il va y avoir un ballon d'attaque quand même au poste 4. Qu'est-ce qu'il y a ? Et non, le ballon qui est donné aux Tahitiens. Et c'est l'égalisation. 21 partout. Allez, c'est un peu brouillon là du coup à la reprise. On se reprend. Ouais, 21 partout. Là, on va rentrer dans une zone, on vous l'a dit, hein, de turbulence ou d'incertitude. Là, les points valent cher maintenant. Et Tahiti hein, qui vient de revenir à hauteur de Wallis et Futuna. Tahiti qui avait 3 points de retard. Ils ont recollé. Voilà, dès qu'il y a une petite imprécision hein, dans un geste technique lors de la réception, ben voilà. Après c'est compliqué de faire le point parce que dans l'équipe en face, il y a des joueurs de talent, il y a du bloc. Et puis on défend, hein, vous avez vu, hein, pour mettre un ballon au sol, c'est compliqué. Ben, on se régale hein, quand même lors de cette finale entre les deux formations. Allez, le service pour Nohari Paofai et les Wallisiens qui vont avoir un ballon d'attaque. On va chercher Faye Poulet, il est pris, ça va être remonté. Le soutien qui était là. Allez, on va chercher le poste 2, et ben voilà, c'est touché. Et
bloc. Et les Tahitiens qui passent devant. 22 à 21 pour Tahiti. Et la bonne série là au service de Nohari Paofai. Ah, il fait peut-être pas le point directement, mais bah voilà, il met suffisamment en difficulté la réception wallisienne. Et le gros service matché pour l'Ace, regardez. Et c'est un dans l'angle du terrain. Alors on a cru qu'il s'engageait hein, pour un service matché flottant. Et au dernier moment, il a changé son geste. Il a vu qu'il y avait un espace. La puissance de ce match, de ce service. Et le petit écart de 2 points là maintenant en faveur des Tahitiens. 23 à 21. Donc les Tahitiens à 2 points de ce deuxième set. Alors un flottant. Et ça craque encore la réception du côté de Tahiti. De Tahiti, pardon, de Wallis et Futuna. 24 à 21, première balle de set. Ah, la grosse série là pour Tahiti pour s'emparer de la balle de set et s'en offrir 3. On retrouve des Wallisiens Futuniens un peu. Ah oui, ils menaient, ils avaient 2 points d'avance, ils étaient dans un temps fort et puis bah voilà, les Tahitiens sont revenus, les ont dépassés et là ils ont 3 balles de 7 à 2. De 7-0, pardon. Et le. La première main du passeur qui va contrer, qui va toucher le contre le bloc tahitien, ça fait le point pour Wallis et Futuna. Ah, regardez, hop, le petit ballon placé. Et voilà, on se percute même pour essayer de défendre entre joueurs tahitiens. Et là on n'a plus droit à l'erreur hein, pour Wallis et Futuna. Et en plus il faut mettre de la pression sur la réception. Et ben voilà. Le ballon qui ne passe pas et le deuxième set il sera pour Tahiti. Deuxième set pour Tahiti. 25 à 22. Et deux manches à rien pour l'instant en faveur des Tahitiens. Sur les 5 derniers points, avec quand même beaucoup de fautes du côté de Wallis et Futuna. Réception. Ah, les Tahitiens bien partis hein, dans cette finale. Mais voilà, au volet, hein, faut gagner 3-7. Voilà, il va falloir trouver l'énergie maintenant du côté de Wallis et Futuna pour repartir au combat. Gagner un premier set, on gagne un deuxième pour avoir le droit de jouer un cinquième set. Est-ce que les Wallisiens Futuniens vont se réveiller et jouer ensemble pour reprendre ce set? Ah ouais, ils ont fait quelques fautes en réception en fin de second set. Et bah voilà, là, les Tahitiens ont donc profité. Surtout à un moment crucial, les 5 dernières points. Important d'assurer le service. Et ben voilà l'ambiance hein, des supporters tahitiens. On a sorti les drapeaux. Allez, Glenn qui appelle ses joueurs. Il faut trouver les mots maintenant pour repartir au combat. Donc Glenn qui gère un peu le groupe depuis ces 2 derniers mois. Donc, pas évident de reprendre un groupe, surtout avec des joueurs venant de la métropole et ceux qui sont au pays. Ouais, c'est le cas un peu de toutes les équipes, en tout cas de Tahiti, de la Calédonie aussi. On a fait revenir des joueurs et des joueuses hein, qui évoluent en métropole. Bah, ça permet de monter le niveau de jeu hein, de ce tournoi des Jeux du Pacifique.
ben voilà, le jeu qui va reprendre avec un avantage de 2-7 en faveur des Tahitiens. Et il est 13h à Samoa, à Apia, midi à Wallis et Futuna, à Tahiti par contre, je sais que c'est la nuit. Et je ne sais pas quelle heure il est. En tout cas, le public tahitien est bien présent. Tahiti qui est dans les 7 premiers dans le tableau des médailles, Christian, ces Jeux du Pacifique. Ouais, du coup je n'ai pas regardé parce qu'il y a eu beaucoup de médailles qui sont tombées entre hier et ce matin. En tout cas c'est toujours la Nouvelle-Calédonie. Ouais, pour la première place a priori il ne devrait pas y avoir de surprise. Hein, la Calédonie devrait être en tête au classement des médailles. Après pour les deuxième et troisième places c'était très serré. Allez, c'est Glenn hein, pour le premier service du troisième set. Et la réception qui revient directement. Et la voilà. Première main de Boris Takaniko. Le premier point pour Wallis et Futuna. Allez, du côté tahitien, devant de la serpillère. Ah, et c'est Glenn là, qui montre l'exemple à ses coéquipiers. Une fixation. Et ça passe au centre pour les Tahitiens. Entre le bloc wallisien. Et Jacques Mao, le passeur qui s'élance pour le service. Ah, ça a manqué de conviction un petit peu. Il a cherché le poste 4. C'était bien tenté quand même. Au service, Josias Paino. Flottant, ramené. Flottant, bonne réception. On passe par le centre encore. Ça va revenir là du côté de Wallis et Futuna. Et la 3 mètres pour Glenn. Oh. Et le ballon qui est jugé dehors. Donc, le réceptionneur qui ne s'attendait pas à attaquer. Alors, on ne s'attendait pas à la balle aux 3 mètres là, du côté de Tahiti. Alors, on va chercher le pointu de Novan. Et c'est jugé. Alors, on attend la décision. Voilà, elle est bonne. 2 pour Tahiti. 3 pour Wallis et Futuna. Il est très haut. Il est au-dessus du bloc. Terrain. Service matché, très belle voilà, impeccable la réception, la fixation s'est défendue, ça va revenir avec Donovan. Allez, 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 allez. Boris qui arrive à remonter ce ballon. Et Paino à l'attaque, non. Et ça ira dehors, 3 partout. La fixation, ça a été défendu et non, ça ne reviendra pas du côté de Wallis et Futuna. Service matché. Oups. Ah, le gros service matché sur Glenn qui est surpris. Excellent. On n'était pas prêt là en réception du côté de Wallis et Futuna. Superbe service matché de ce numéro 6 qui explose depuis le début de ce match, de cette finale.
un deuxième. Ça sera réceptionné et une petite bidouille qui est ramenée. Ouais, ça a été défendu. Non, pas de passe. On va chercher le poste 4 là-bas et ça va passer en 1 contre 1. Et le bon départ hein, pour Tahiti dans ce troisième set. 6 à 3. Très belle attaque de ce numéro 4 qui explose le bloc wallisien. Allez, encore le service matché. Ah, ça sera trop fort, c'est sorti cette fois-ci. Allez, il va falloir revenir là pour Wallis et Futuna maintenant dans la partie. Et on devrait avoir une bonne ligne de bloc pour Wallis et Futuna avec Faye Poulet qui est sur la ligne avant. Servi, ramené, attention, fixation. Alors regardez la fixation. Magnifique fixation. Alors on est content là du côté de Tahiti. Cette action. Non. En tout cas, c'était une très belle position. Service. Son numéro 9, Tini Lautewila. Allez, le service un peu trop long. C'est lui hein, qui vient de marquer sur la fixation juste avant. C'est à 5 pour Tahiti. Le service est à Paino. Voilà. Un peu de chance là pour Tahiti. Et c'est Donovan qui vient finir le point. Et voilà, on arrive au premier temps mort technique du troisième set et le petit écart de 3 points en faveur de Tahiti. Ah, le service qui a accroché la bande du filet. On a pu remonter du côté de Tahiti. C'est Donovan, là, le numéro 10, qui est venu terminer le point. Perdu un seul match depuis le début de cette compétition. Allez, c'est Donovan qu'on va retrouver pour le service matché. Et ça va revenir du côté de Tahiti. Allez, c'est touché. On a du mal à faire les points là du côté de Wallis et Futuna pour l'instant. On souffle chez le capitaine de Wallis et Futuna. 9 à 5 pour Tahiti. Ouais, 9-5, faut pas laisser les Tahitiens s'envoler. Ah, le gros service encore. Oh, et ça va sortir. Oh là là, oh là là. Et plus 5, un petit écart. Grandit. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il va falloir couper tout ça et se reprendre tout de suite du côté de Wallis et Futuna. L'écart se creuse, 5 points, 10 pour Tahiti, 5 pour Wallis et Futuna. Allez, le bon service encore pour Donovan. On va chercher la fixation, le petit ballon placé. Et on n'arrive pas à défendre du côté de Wallis et Futuna.
Regardez, on fait les points même sur les ballons très loin du filet. Ah, on n'y est plus là du côté de Wallis et Futuna. Le libéro qui s'énerve un peu. Ah, un peu de discussion avec l'arbitre. Alors on entendait hein, les discussions avec l'arbitre, hein, on ne les entend plus. Ah voilà, ça va revenir. Ah là, le jeu qui reprend est toujours le pointu tahitien. On fait tout, c'est compliqué, le ballon et il s'en sort. Il a juste poussé le ballon là dans les mains du contre et le ballon est ressorti. Et ben voilà les Wallisiens qui reprennent le sens de la marche. Et là il y a un écart conséquent maintenant, à 5 points de retard. Nouveau joueur, numéro 12, Malek. Et la fixation, c'est pour ce joueur, le capitaine, le numéro 7. Ouais, impeccable en réception et derrière, et bah c'est plus facile, hein, on a du choix, on peut mettre de la vitesse. Service à ramener. Allez, Faye Poulet qui fait le point cette fois-ci sur le poste 2. 7 à 12. Ouais, Faye Poulet, là ça passe au-dessus. Allez, la bonne série peut-être pour Faye Poulet au service. Une belle réception. On va chercher le poste 4 et voilà, ça passe encore pour Tahiti. Numéro 6, Vaya Mare, qui a transpercé le bloc pour les uns. Le bloc. Ouais, les Tahitiens qui continuent leur marche en avant. Et là, va falloir réduire l'écart hein, pour Wallis et Futuna pour espérer survivre dans ce match parce que là, on vient de passer la moitié du set. Et on va chercher encore le poste 4, c'est bloqué. Ah, on aura une nouvelle chance. Et la feinte, ça n'a pas marché. Et voilà, le ballon qui est dehors, la faute de filet pour le côté tahitien. Allez, c'est maintenant hein, s'il faut revenir là point par point pour Wallis et Futuna. Bien de service. Allez, ce sera défendu pour Wallis et Futuna. On va chercher le pointu. Faye Poulet. Ah, la faute de filet pour les Tahitiens. Faute de filet. Ce sera un point pour Wallis et Futuna. Du coup, passe à 9. Ah ouais, en descendant, on a accroché le filet. Allez, ça va être pour Glenn le service matché pour continuer la série au service. Enroulé. Et la faute de position comptée pour Tahiti. Faute de position, ce qui fait un point de plus pour Wallis et Futuna qui fait 10 maintenant. 13 à 10.
Ah oui, il faut respecter les positions des joueurs avant le départ du ballon. Et la bonne série pour l'instant pour Wallis et Futuna. Ah, c'est un peu trop long, un peu trop long. 14 pour Tahiti, 10 Wallis et Futuna. Alors, on va retrouver Jacques Mao, le passeur au service. Et là, on va être sur du service matché flottant, vraisemblablement. Flottant. Et regardez comme c'est efficace ce service. Et puis, on n'a pas manqué de finir le point au filet pour ce cadeau qui venait du côté de Wallis et Futuna. D'écart entre les deux formations. Ouais, Vitali Tupaou un peu en difficulté là sur ses trajectoires de service très tendues. Et regardez, ça va revenir quand même, mais c'est compliqué la réception en ce moment pour Wallis et Futuna. Est-ce que c'est touché? Et le temps mort technique avec un gros avantage pour Tahiti. 6 points d'avance, 2 manches à rien pour l'instant. Ah, ça se passe bien pour l'instant pour Tahiti. Là, il y a un écart conséquent hein, maintenant dans ce troisième set. Ils ont déjà empoché les deux premières manches. Donc là, pour Wallis et Futuna, il s'agit de revenir dans la partie et d'arracher deux sets d'affilée. Ouais, d'abord en gagner un premier. Et puis après, un deuxième. Et là, pour l'instant, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les solutions du côté de Wallis et Futuna. On voit Valeria Vaki là sur la droite qui encourage ses copains de l'équipe masculine. Elle a été libéraux hier lors de la finale contre les Calédoniennes. Allez, toujours Jacques Mao. Ah ouais, on est en difficulté là sur les services de Jacques Mao pour Wallis et Futuna. On va avoir un bon ballon de relance et on va chercher Donovan sur le poste 2. Impeccable les Tahitiens sur les réceptions et les relances. Et derrière, regardez, on peut distribuer, écarter le jeu. Parfait. Ah là, ça va devenir compliqué pour Wallis et Futuna. L'écart qui grandit. Mentalement, ça ne prend pas. Ça ne semble pas vouloir prendre. 17 pour Tahiti, 10 Wallis et Futuna. Allez, mieux. Allez, ce sera pour Faye Poulet là sur. Mais il est bloqué. La faute de filet peut-être. Ouais. Plus 1 pour Wallis et Futuna. Qui récupère du coup le. Service. Alors l'écart il est important, il y a 6 points entre les deux formations et là il va falloir marquer absolument, faire la série pour Wallis et Futuna si on veut rester dans le match. Et regardez Donovan qui est inarrêtable là à l'attaque. Alors on écarte le jeu hein, du côté de Tahiti, on cherche les extérieurs. 18 à 11.
Alors, on met plus d'énergie pour l'instant du côté des Tahitiens. Alors, on en met trop là sur ce service même. Trop long. À 18 pour Tahiti. Boris au service. Gros service, service de Boris. Oh. Ah, il y aurait un bon ballon de relance normalement pour Wallis et Futuna. Ah, mais et c'est pris par le bloc. Personne au soutien. La réception, le soutien. Ah ouais, là, ça commence à sentir bon pour Tahiti. On va retrouver le central qui vient de marquer sur ce contre. Allez, le service qui ne passe pas. Allez, 19-13, 6 points de retard pour Wallis et Futuna. Malmené depuis le début de la rencontre. Florian assis. Au service. Au service, ça. Attention. Et ouais, ça va c'est passé. Ça va revenir pour Wallis et Futuna. Et la fixation s'est touchée, mais c'est le point pour Nohari. Paofai, le 20e. Il va en rester 5 pour... Les Tahitiens qui s'envolent, ils sont à 5 points de la médaille d'or de ces 16e jeux du Pacifique. Les Wallisiens et Futuniens en face qui n'arrivent pas à dérouler leur jeu. La réception et le soutien, Christian qui est un peu inexistante depuis le début de ce match. Ouais, les Tahiti qui est plus performant dans ce secteur de jeu. Voilà, pour les mettre en difficulté, pour vraiment sortir des gros services. Et même dans d'autres secteurs de jeu, on a vu Donovan qui est le pointu de l'équipe de Tahiti qui il était inarrêtable en ce moment. Entrer une seule fois. Et on a le sourire du côté des supporters tahitiens. Et il y a de quoi, ils sont à quelques points, 5 points. De la première place. Voilà, après la déception évidemment d'hier soir et la défaite en finale contre les Calédoniennes, et ben là on est tout proche d'une médaille d'or pour l'équipe de Tahiti. Donovan au service. La dernière médaille d'or pour les garçons de l'équipe de Tahiti, c'était en 2003, c'était à Suva. Poulet qui est pris, qui n'a pas pu attaquer. Là, c'est touché, mais ça va dehors. Un point de plus pour Wallis qui remonte un peu. Ah non. Ouais, Tahiti qui court après la médaille d'or depuis 2003. Hein, c'était l'année de leur dernier titre. Ils l'avaient emporté contre la Nouvelle-Calédonie. 3-7 à 2. 14 pour Wallis. Et le service dans le filet. Service dans le filet. Et là on est tout proche du dénouement maintenant. Un là on cadeau, voit pas comment l'équipe de Tahiti pourrait être rejointe. Pas besoin. Ils sont déjà à plus 6 points. Le service matché. Ce sera dans le filet. Dans le filet. Ah, il suffit de faire tourner maintenant pour Tahiti. Qui fait tourner le banc du coup. Et pour Wallis et Futuna, il va falloir faire des exploits à chaque point maintenant si on veut revenir dans la partie. 21-15 pour Tahiti. Fixation ramenée. On se replace vite. Ah, c'est défendu, ça va revenir. Il y aura un ballon d'attaque encore. Fixation, non, c'est poste 2. Contrée. Allez, encore un troisième. La même, on ramène.
Et on va chercher le poste 4. Le gain de la feinte, c'est défendu. Quand même. Allez, poste 4. Out. Ouais, ce sera dehors. Et voilà, le ballon qui est donné à Wallis et Futuna. Pour Tahiti, le service est du côté de Wallis et ouais, Futuna. C'est pour Faye Poulet. Le service qui accroche la bande du filet. On va pouvoir attaquer quand même du côté de Tahiti. Et la grosse attaque, la grande diagonale. Donc voilà les Tahitiens qui s'envolent 22-16. Allez, 3 points pour s'offrir une médaille d'or. 3 points de l'or à 3 points de détrôner les champions du Pacifique. Depuis 2007. Donc une rencontre que vous suivez en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. Et Nohari Paufai au service pour se rapprocher du titre. Alors on n'y est plus là du côté de Wallis et Futuna. Et on va chercher l'extérieur encore. Ça a été bloqué, c'est revenu. Et le petit ballon placé. Et ce sera pour la 3 mètres cette fois-ci. Une pipe. Et ben voilà, il va rester 2 points avant le sacre de l'équipe de Tahiti. Wallis et Futuna. Allez, sourire hein, sur les visages du côté tahitien, évidemment. Et le public qui s'est levé. Le public tahitien qui s'est levé. Ah oui, 23-16, là, on voit pas comment. Et ben voilà, on a retrouvé l'ambianceur. Regardez, il était là. Ah, il avait changé de t-shirt, on n'arrivait pas à le reconnaître. Non, c'est qu'il a mis un t-shirt, Christian. Ouais, non, il en avait un. Effectivement, hier, il n'avait pas de t-shirt, mais depuis ce matin, il avait un t-shirt, mais là, il vient de le changer. D'accord. Donc, 23-16 pour Tahiti, qui est donc à 2 points de la médaille d'or de ses 16e Jeux du Pacifique. Il a changé de drapeau, il avait le drapeau Samoan tout à l'heure et là il a pris pas fait tes causes pour les Tahitiens. Alors on lui a peut-être prêté un t-shirt du côté de Tahiti tout simplement. Ah, c'est lui qui porte bonheur alors. Allez, le ballon et fixation. Allez, la fixation, ça passe pour Wallis et Futuna. Josias Paino. On va retrouver Glenn au service et les Tahitiens hein, qui vont pouvoir peut-être s'offrir une première balle de match s'ils l'emportent sur le point suivant. Le ballon qui est dehors, et ben voilà! La première balle de match pour Tahiti. Ouais, et ils vont l'avoir 7 balles de match. Les Wallisiens, j'ai l'impression qu'ils ont déjà baissé les bras. Ah ouais, mais là c'est compliqué, 7 balles de match. Ah, c'est sur le mental. Allez, c'est parti pour la première. Et la réception va être moyenne. On va chercher Faye Poulet. C'est dehors et c'est fini. Voilà. Et ben voilà la joie des Tahitiens qui retrouvent un titre qui n'avait plus depuis 2003. 25-17. Ouais, les Wallisiens qui abandonnent le titre qu'ils avaient conquis et qu'ils possédaient depuis 2007. Et ben, trois épreuves, trois Jeux du Pacifique. 2007, 2011, 2015 et là ils abandonnent leur titre au profit des Tahitiens, les précédents tenants. Ah ouais, les Wallisiens qui s'inclinent en 3-7. La frustration des joueurs qui n'ont pas pu jouer à leur max.
Ah ouais, les Tahitiens, bah voilà, ils étaient trop forts aujourd'hui. Hein, c'est bah voilà, c'est le sport. Regardez, on voit les deux capitaines qui se prennent dans les bras, évidemment. Ils se connaissent hein, tous ces joueurs hein, qui évoluent en métropole parce que bah voilà, beaucoup de joueurs wallisiens, polynésiens, tahitiens, calédoniens évoluent dans les championnats professionnels et bah voilà, du coup quand vous êtes du Pacifique, et bah voilà, vous avez des liens particuliers quand vous êtes dehors du pays. C'est la famille du Pacifique du coup qui se retrouve en métropole. Et ben voilà, voyez, on va préparer le podium pour une des dernières médailles qui a été distribuée ici à Apia. Il restera encore la finale de football. Ce sera tout à l'heure. On vous la proposera en direct, bien sûr. Ou on aura aussi une finale de basket 3-3. Et voilà la joie évidemment des Tahitiens et les Wallisiens qui félicitent leur public. Et ben voilà Mélodie, voilà. Tahiti qui récupère un titre, les Wallisiens qui ne le perdent, qui se sont battus mais qui n'ont rien pu faire hein, contre la fougue des Tahitiens. Et ben voilà, sur ces images qu'on va vous laisser. Et puis on vous retrouvera un peu plus tard dans l'après-midi pour un autre sport. Et avant la dernière épreuve, pas l'épreuve, mais la dernière partie de ces Jeux du Pacifique qui vont se conclure. Ce sera bien sûr la cérémonie de clôture. À partir de 18h ici au Samoa. Et ben voilà. Merci Mélodie de nous avoir suivis en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna. Merci Christian. Merci Mélodie. Et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Je ne suis pas spécialiste de foot, mais je t'accompagnerai. Et non, ce sera Martin Charmasson qui sera à notre place. Et ben voilà, on vous quitte sur ces images de joie de Tahiti. Et on vous dit à plus tard pour des images de sport. Merci. Merci.